Bonjour à toutes, bonjour à tous, je m'appelle André et je suis président d'Everwatt depuis 2019. Everwatt est un producteur d'énergie solaire diffuse et notre objectif est d'installer le maximum de points de production d'énergie partout en France. En termes quantitatifs, notre objectif est de dépasser les 700 MW en 2026 et le gigawatt en 2028. Quels sont les challenges d'Everwatt? Ils sont immenses. Nous sommes passés d'une période d'une vingtaine d'années avec une grande stabilité des prix de l'énergie à une période d'instabilité absolue où il faut bien se rendre compte que le prix de l'énergie à un moment donné a atteint un facteur x20 par rapport à la moyenne de ces 20 dernières années. Et donc cette instabilité, elle va perdurer encore selon nous pendant plusieurs années et cette instabilité, on va en faire une opportunité pour Everwatt. Ce qui fait la singularité d'Everwatt, au-delà des aspects techniques sur lesquels, bien entendu, nous devons être parfaitement irréprochables, c'est de parvenir à faire coopérer l'ensemble des parties prenantes, qu'elles soient publiques ou privées. Et cette forme de coopération, pour nous, est très importante. Elle est très bien perçue au niveau des clients et très bien perçue au niveau des collaborateurs. Chez Everwatt, on se considère comme une vraie fabrique de sociétés à impact. On identifie une cible, en général c'est un point de douleur du territoire, on travaille sur une offre et là on inclut le côté communauté, on travaille avec d'autres parties prenantes et des partenaires qui nous aident à construire cette offre et puis après on l'implante et surtout on la duplique. Et c'est cette duplication très rapide qui nous permet d'accélérer très fort et d'atteindre nos objectifs ambitieux. À titre personnel, ce que je voudrais développer comme valeur au sein d'Everwatt, la première, c'est l'aspect de l'impact. C'est-à-dire que nous devons avoir un impact évidemment pour la planète et on doit avoir un impact aussi pour l'ensemble des territoires. Le deuxième, c'est l'engagement, c'est-à-dire de commencer une opération et de la finir de bout en bout. Et cette valeur-là, de terminer les actions commencées, il y a quelque chose de très important. Et le troisième, c'est l'inclusion, c'est de travailler avec le public, de travailler avec le privé, de travailler avec l'autre, de travailler avec celui qui est différent et de créer cette communauté qui nous apporte tant de richesses.